Dieu soit loué. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. À partir du premier verset jusqu'au cinquième. Luc chapitre 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Le verset 4. « Ou bien, ces 18 personnes, sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Alors, de ces paroles que nous venons de lire et d'autres qui vont suivre, nous retenons comme si j'ai encore aujourd'hui qui entreront dans le royaume des cieux. Qui entreront dans le royaume des cieux? Notre monde a changé. Ceux qui suivent l'actualité correctement savent que nous sommes en train de passer par des temps dangereux. À tout moment, je ne vous apprends rien si vous êtes au courant, entre autres, une guerre mondiale peut être déclenchée. Il y a des provocations qui se passent dans plusieurs régions du monde. On tire, on tue, mais comme ça ne se passe pas à Bruxelles, nous avons l'impression que tout va bien. Mais en réalité, il y a des choses terribles. Alors nous avons besoin d'être préparés à tous les niveaux. D'être préparés pour notre sécurité terrestre, mais aussi et surtout d'être préparés pour notre sécurité éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu envoies à nos cœurs afin de nous équiper. Car notre Dieu, tu es sauveur. Tu es un Dieu qui sauve. Tu n'es pas un animateur de scout pour donner ce qui plaît, ce qui réjouit, ce qui fait rire. Mais tu es un Dieu qui sauve du péché, qui sauve les pécheurs. Voilà pourquoi nous t'invoquons maintenant que par ton esprit, oui, je le crois, par ton esprit, tu viennes rencontrer chacun de nous et que tu dialogues avec nous. Merci pour tout ce que tu vas faire. Fais-le, Seigneur notre Dieu, pour ta gloire et surtout pour le salut de nous tous. Au nom de Jésus, amen. Le verset central de la Bible est connu. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, et le monde veut dire les hommes, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le verbe donner qui est utilisé dans ces passages de Jean reflète indirectement l'idée de livrer à la mort. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a un plan. Il ne nous a pas seulement créés pour que nous vivions et que nous nous débrouillions, mais il a un plan de nous faire entrer dans sa famille. Donc le plan de Dieu n'est pas tout simplement que nous puissions être dans des communautés telles que nous le sommes, communauté famille, communauté nationale, pays, ou communauté carrément religieuse, comme une assemblée telle que nous sommes là. Dieu veut que nous entrions surtout dans sa communauté à lui, dans sa famille à lui, dont Jésus-Christ est le fils aîné. Donc, il veut que nous soyons là-dedans. Tout le reste peut suivre, mais d'abord avec Dieu.
Malheureusement, à cause de l'entrée de la religion dans la société, donc c'est devenu une sociologie, conséquence, c'est que beaucoup d'hommes et femmes ont appartenu à des communautés, à des églises, mais ils n'avaient pas fait l'expérience d'être avec Dieu directement. Dieu a un plan pour nous donner la vie éternelle, nous l'avons entendu dans Jean 3,16. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aille et qu'il aille se posséder. En d'autres termes, quand tu es ici sur la terre, tu prendras conscience que tu possèdes la vie éternelle. Pas seulement sous-entendre, mais réellement posséder, avec des effets que tu réalises qu'effectivement, il y a la vie éternelle dans ma vie. J'ai une nouvelle vie, comme dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et cette nouveauté de vie se manifeste dans le comportement à domicile, à l'école, à l'entreprise, partout où on se trouve. On n'a pas besoin de clamer que moi j'ai pris. On est tout simplement là, sans rien dire, mais il y a quelque chose qui rend témoignage, qui montre que nous sommes dans le Seigneur. Chacun de vous a certainement, pour vous qui êtes nés de nouveau, déjà eu l'expérience que les gens observent qu'il y a quelque chose de différent, de nouveau, qui se trouve dans votre cœur. Et c'est cela que nous avons besoin de comprendre. Donc, nous pouvons faire beaucoup de choses dans la religion. Nous pouvons faire beaucoup de choses, même avoir des titres. Mais tout cela, c'est zéro si nous ne sommes pas nés de nouveau. Si nous ne sommes pas enfants de Dieu, tout ce qu'on peut faire, on perd son temps. Il y a un prédicateur britannique, John Wesley. C'est un homme qui était destiné, de par sa famille, à servir Dieu. Il est allé à l'école de théologie, qu'il a terminée. Il a été installé pasteur de paroisse. Et dans un culte du soir dans la semaine, pendant qu'on était en train de chanter dans l'église, au plus profond de son cœur, il se dit, mais j'ai la théologie, j'ai la fonction, j'ai les titres, mais où est Dieu dans ma vie? Où est Dieu? Et le Saint-Esprit l'a convaincu qu'il avait besoin de naître de nouveau, exactement comme Nicodème dont parle la Bible. Vous savez qu'il y a un grand chef religieux, un pharisien, un docteur de la loi. Quand on dit docteur de la loi, ce n'est pas un avocat. Docteur de la loi veut dire un théologien, eh ben, qui s'appelait Nicodème et qui n'était pas né de nouveau. Et Dieu, par Jésus-Christ, son fils, va le convaincre pour qu'il naisse de nouveau, afin qu'il devienne enfant de Dieu. Et donc, il y a toutes sortes de choses que nous avons besoin de réaliser pour que nous soyons convaincus et rassurés que nous sommes nés de nouveau. Il y a quatre choses que j'ai voulu partager avec chacun de nous, afin que nous puissions réaliser jusqu'à quel point nous sommes réellement nés de nouveau. Et quand nous avons l'assurance d'être nés de nouveau, nous pouvons partager avec les autres. La question est, pourquoi, c'est une question vieille qui s'est posée dans plusieurs milieux chrétiens, pourquoi les chrétiens qui fréquentent les églises ne parlent pas de Jésus à leurs amis, à leurs semblables, à leurs proches? Pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi on a posé cette question? C'est parce qu'on s'était rendu compte, mes frères et sœurs, qu'il y a beaucoup d'hommes et femmes qui étaient, soi-disant, nés de nouveau, mais qui vivaient dans la famille avec des enfants qui ne sont pas nés de nouveau, qui vivaient en famille avec des conjoints ou avec des amis, avec d'autres membres de famille qui n'étaient pas nés de nouveau, et ils ne s'en souciaient pas. Ce n'était pas leur devoir. Ils ne se posaient pas la question si mon cousin a besoin de naître de nouveau, que mon enfant a besoin de naître de nouveau.
que mon ami d'enfance a besoin de naître de nouveau. Alors la question était, pourquoi n'en parle-t-il pas? Deux réponses étaient données et qui sont partagées tout au long de l'histoire. La première réponse, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas quoi leur dire. Et ils ont peur qu'en parlant mal, ils puissent rejeter la religion et croire que la religion, ou plutôt le christianisme, est une chose faible pour les faibles. Mais la deuxième raison, la plus importante, c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur propre expérience. Tu ne peux partager que ce que tu as. Tu ne peux donner que ce que tu as. Quand tu n'as pas, quand tu n'as pas la certitude d'être enfant de Dieu, que donnerais-tu à quelqu'un d'autre? Voilà pourquoi nous avons besoin de partager ces choses en détail, pour que chacun de nous, tout en ayant pour soi-même, un peu comme une nourriture, tu as pour toi-même, mais tu as aussi pour les autres. Tu peux aller partager, tu sais quoi leur dire, qui t'a aidé, toi-même. Et c'est de cette manière qu'on peut avancer. La première chose que nous retenons, c'est quoi? Dieu a un plan pour notre vie. Dieu a un plan. Même les hommes, parfois, peuvent avoir un plan pour leur enfant. Mais Dieu, le Créateur, a un plan. Le Créateur d'une chaise, pour qu'il puisse concevoir ce que, vous savez, Microsoft ou tous les autres qui ont inventé des choses, quand il a décidé d'inventer la chose, le jour où il vient à la télévision pour en parler, il est enthousiaste. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il vient de créer. Vous n'étiez peut-être pas capable de voir, mais maintenant j'ai trouvé la solution pour vous. Savez-vous que lorsque les lentilles sont sorties, qui pouvaient agrandir les caractères, il y a des gens qui étaient surpris, parce que depuis des années, ils ne lisaient plus. Mais maintenant, tout à coup, après avoir placé la lentille devant ses yeux, ils pouvaient lire, et ils étaient surpris. Il y a même, avec les opérations de cataracte, des hommes qui avaient perdu la vue depuis des dizaines, une vingtaine, une trentaine d'années, c'est-à-dire qu'ils étaient exclus pour voir le développement surprenant de notre monde, et quand maintenant ils étaient opérés et que les yeux se sont ouverts, ils étaient étonnés. Ils ont regardé la télévision, ils ont dit, oh c'est en couleur. Oui, c'est en couleur depuis longtemps. Les choses ont changé. Donc, Dieu a un plan pour chaque homme, chaque femme qu'il a créé. Quel plan? Mais le plan de nous donner la paix. Parce que la paix, la vraie paix, mes frères et sœurs, c'est une denrée rare. La paix qui reste, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quelles que soient les pertes, quels que soient les troubles, quels que soient les manques, la paix reste. Tu peux sourire. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a un mauvais temps, par exemple, vous verrez beaucoup de gens la tête courbée. Oh, quel temps il fait! Et puis un jour, il n'y a pas longtemps, cette semaine, je crois, il pleuvinait. Le temps était pour le moins mauvais. Donc il soufflait et pleuvinait en même temps. Et puis moi, je suis sorti de ma méditation. Je me dirigeais vers la voiture pour faire une course. Puis je me suis retrouvé dans la pluie en train de chanter. Puis je suis entré dans la voiture. J'ai dit, oh, je chante. Pourquoi je chante? Parce qu'il y a la vie de Dieu dans notre vie. Quand tu as la vie de Dieu, c'est une vie qui résiste aux tempêtes. Amen. Au propre et au figuré. Ça résiste aux tempêtes. Dieu a un plan pour nous donner la paix. Dieu a un plan pour nous donner une nouvelle vie. Notez, la nouvelle vie que Dieu donne, elle nous transforme dans cette vie physique, humaine, que nous menons sur la terre. Mais la même vie nouvelle s'appelle une vie éternelle du point de vue de l'éternité. C'est-à-dire, imaginons, ça n'arrivera pas parce que Dieu contrôle les choses, merci Seigneur, même si nous savons qu'à quelques endroits, cela est arrivé. Imaginez qu'un missile tombe sur Bruxelles et rase la ville, eh bien, ta vie éternelle va te propulser dans les royaumes des cieux sur le coup. Tu entreras dans la gloire. Mais cette vie-là que tu as, la vie éternelle que Dieu te donne, pour laquelle Dieu a un plan pour chacun de nous, vécu sur la terre et te donne la paix
et te donne les solutions au problème. Quand tu as un problème, même s'il résiste, de temps en temps tu souris parce que tu sais que la solution va venir. La solution va venir. Ça se passe là-bas en Chine. Un missionnaire connu, un Anglais, un missionnaire connu, qui était allé là-bas en Chine pour prêcher l'évangile. Et alors, pendant qu'il était là, un jour, vous savez, à cette époque-là, il dépendait de bateaux qui amenaient des denrées, des nourritures depuis l'Angleterre. Et il n'y avait plus assez à manger à la cuisine. Et alors, il était allé faire sa tournée d'évangélisation. Quand il revient, cet homme de Dieu, Hudson Taylor, quand il revient à la maison, sa servante, sa cuisinière chinoise, vient à la porte et lui dit, « Monsieur Hudson, je viens de préparer la dernière boîte de soupe. » Comme pour dire, c'est dangereux parce qu'il faut que ça vienne de l'Angleterre. Il n'y avait pas assez de nourriture disponible auquel son estomac était habitué. Donc c'était un sujet d'inquiétude pour sa cuisinière. Et alors, quand c'est la dernière soupe que je viens de préparer. Et Hudson marche, c'est lui-même qui écrit, « J'ai marché, j'ai dépassé la servante, je suis entré dans la maison et je lui ai lancé derrière la prochaine soupe. » Arrive au port. Mais pourquoi il a dit cela? C'est parce qu'il savait que sa vie était dans la main du Dieu Tout-Puissant et qu'il y a des solutions. Amen. Il y a des solutions. Mes frères et sœurs, je vis la vie chrétienne depuis plus de 30 ans et j'arrive à la conclusion absolue qu'il y a des solutions à tous les problèmes. Il y a des solutions à tous les problèmes. Tous les problèmes. Il y a des solutions. Tous les problèmes. Il y a des solutions. Tu manques et puis Dieu intervient. Tu manques et Dieu intervient. Il y a des solutions parce que Dieu est derrière toi. Il a un plan merveilleux pour notre vie. Dieu nous aime. Ça, c'est la première chose que nous notons. La deuxième, il y a un problème. Le problème de l'homme. Quel est ce problème de l'homme? Notez la séparation. La séparation. C'est important de comprendre que notre Dieu est saint et que l'homme pécheur ne peut pas entrer en contact avec lui. Il y a séparation. C'est la raison pour laquelle, dans le texte que nous avons lu, Jésus dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il y a donc un problème de séparation. J'ai utilisé un vieux croquis, c'est un croquis bien connu, sur lequel je suis revenu. Pour ceux qui verront peut-être ça avec une autre manière, vont absolument en profiter puisque notre frère l'aura. Donc voilà, c'est un croquis que vous voyez là et que vous pouvez assez facilement comprendre en regardant tout simplement. Parce que de ce côté-là, vous voyez L apostrophe avec H qui veut tout simplement dire l'homme et le P là qui veut dire pécheur. L'homme pécheur d'un côté. Et puis, à droite, là, vous voyez le Dieu saint. Mais au milieu des deux, il y a un fossé. Au milieu, donc, de ces deux croquis, il y a, en noir, il y a un fossé. Et ce fossé, c'est dû au péché de l'homme. Il y a une séparation. Alors, le problème, c'est quoi? Comme Dieu a créé l'homme à son image, l'homme de tous les temps est capable de se débrouiller, la débrouillardise, pour essayer de combler ce fossé, essayer de mettre un pont sur ce fossé afin qu'il aille chez le Dieu saint avec ses forces. Alors il va utiliser, comme vous le voyez, il va utiliser toutes sortes, n'est-ce pas, de choses telles que la religion, telle que la philosophie, telle qu'une vie morale propre et correcte. Un jour, je suivais une conversation
entre politiciens. Et alors, j'étais là, juste à côté, puisque un des politiciens, j'avais rendez-vous avec lui. Et j'ai entendu l'un des politiciens dire, moi je suis parfait. On ne me trouvera jamais en train de tricher dans l'argent du contribuable, parce que je suis parfait. Voilà, donc les hommes se débrouillent à être parfaits par leur propre force. Regardez la flèche qui montre tous les efforts qu'on appelle tentatives. Quelle est leur finalité? C'est ça descend dans le fossé. Sans jamais atteindre le Dieu saint. Toutes les tentatives personnelles échouent. Sans succès. Parce qu'on n'est pas capable d'arriver chez le Dieu saint. Mes frères et sœurs, le ciel est saint. Personne n'ira au ciel avec des péchés. Et que Dieu va comptabiliser en disant, bon, tu n'as que 25 péchés, j'étais délibération, tu peux passer au ciel. Non. Personne ne pourrait arriver au ciel. C'est impossible. 99% de sainteté ne te fera pas entrer au ciel. Quelqu'un m'a dit, mais c'est pas possible. 99%, oui, 99% de sainteté, tu n'iras pas au ciel, ça va descendre dans les fossés. Mais comment c'est possible? Eh bien, voici une illustration pour nous le montrer. Nous avons ici une bouteille d'eau qu'on a placée pour moi pour boire. Et nous avons cette bouteille d'eau. Maintenant, imaginez que je puisse demander à maman Émilie, mon épouse, je lui dis, écoute, je veux boire cette eau. Elle va me dire, oui, tu peux boire parce qu'elle est propre. Très bien. Alors je lui dis, écoute, va à la toilette là-bas, dans la latrine. Prends juste une goutte, pas beaucoup, une goutte d'eau tirée de la latrine là-bas où on fait les besoins. Et viens mettre dans cette eau. Nous aurons donc 99% de l'eau pure et puis 1%, une petite goutte de l'eau qui vient de la toilette. Qui va boire ça? Plus personne. Alors si vous les hommes, vous ne pouvez pas boire, vous comprenez que le Dieu saint ne boira pas ça. Donc Dieu est saint et il est parfait. Et donc il ne peut pas permettre que quelqu'un qui a ses péchés puisse, n'est-ce pas, entrer au ciel. C'est impossible. Alors c'est là où se trouve le problème. L'homme a échoué. Mais pourquoi a-t-il échoué? Il y a un verset biblique qui nous explique pourquoi. Romains, chapitre 3, le verset 23. Que dit ce verset? Eh bien, ce verset dit tout simplement, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, notre Dieu fonctionne avec le verdict de sa parole. Quand Dieu déclare une chose, ça s'applique. Puisque vous avez péché, vous êtes privés. Nous avons chanté un cantique. Fais-moi voir ta gloire. Eh bien, nous sommes privés de la gloire de Dieu lorsqu'il y a le péché dans notre vie. Amen. Donc, il n'y a pas de tolérance. Tolérance zéro chez notre Dieu quand il y a, n'est-ce pas, un seul péché. Parce que toutes nos tentatives, comme nous venons de le voir, ont échoué. C'est la deuxième chose que je voulais partager avec vous. Nous passons à la troisième chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? Eh bien, j'ai noté remède de Dieu. Remède de Dieu. J'ai ici un deuxième croquis que vous pouvez voir. Vous voyez certainement un changement. Dans le premier croquis, il y avait un fossé au milieu qu'on ne pouvait pas combler. Mais maintenant, le fossé est comblé par un pont. Et ce pont apporte un nom qui s'appelle Christ. Amen. Il y a donc, le pont est comblé et j'appelle ce pont-là remède de Dieu. Donc, là où l'homme a tout fait pour aller vers Dieu et a échoué, la raison principal, c'est parce qu'en tant que pécheur, il n'a pas de remède à son propre sort. Il n'a pas de solution pour lui-même.
La solution ne se trouve pas sur la terre, mes frères et sœurs. La solution vient du ciel. La solution vient de Dieu. Dieu a envoyé son remède, le seul remède capable de guérir cette maladie qu'on appelle le péché. Et alors, le pont est là. Le pont est là, comme nous le voyons. Et maintenant que le pont est là, c'est possible que l'homme pécheur fasse quelque chose pour pouvoir arriver dans le royaume des cieux. Il y a une possibilité. Mais attention, souvent, beaucoup de milieux chrétiens se limitent à ces croquis que je viens de vous montrer. Oui, il y a une solution. Alors, je reviens sur l'illustration que j'avais utilisée le vendredi soir. J'avais récemment suivi une vidéo sur YouTube où une jeune dame, certainement chrétienne, disait « Personne n'ira en enfer avec ses péchés, à cause de ses péchés, parce que Jésus est mort pour ça. » C'est une partie de vérité en réalité. Mais le problème, c'est que ce n'est pas en restant simplement passif que nous irons au ciel parce que Jésus est mort. Non. Non. Donc, le fait d'avoir, n'est-ce pas, un sauveur ne suffit pas pour que nous puissions aller au ciel. Bien sûr que l'amour de Dieu est là. Bien sûr que le fossé de séparation entre Dieu et nous est couvert par Jésus-Christ avec sa croix. Que quand Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, eh bien, il a payé pour les péchés pour lesquels nous méritions la condamnation. C'est vrai. Mais quelle est la quatrième chose? Oh, que chacun de nous écoute et comprenne cette quatrième chose. Elle est tellement importante. La quatrième chose, c'est quoi? La réponse de l'homme au remède de Dieu. Amen. Et il faut connaître cette réponse que chacun de nous doit donner à Dieu. Dieu, lui, il a fait le pas. Il a donné la croix. Mais quelle est ta réponse? Comment tu as répondu? Certains ont répondu. Ils ont dit, ah, Jésus est mort pour moi. Oui, j'irai à la chorale. Ils sont entrés dans la chorale. Ils se sont installés. Il y en a d'autres encore qui ont dit, ah, Jésus est mort pour moi. J'irai à l'église. Ils sont allés à l'église. Ah, vraiment, Jésus est mort pour moi. Oui, en tout cas, vraiment, maintenant, je vais commencer à aider les gens qui sont dans les besoins parce que Jésus est mort pour moi. Sauf que ce n'est pas ça la réponse que Dieu attend. Ces choses-là sont bonnes. Nous pouvons faire du bien aux gens qui sont dans le besoin. Mais ce n'est pas ça la réponse que Dieu attend de nous. Alors, quelle est la réponse que Dieu attend de nous? Voilà la quatrième chose, c'est que nous devons répondre. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a le même croquis revient, mais avec des indications qui montrent ce que doit être notre réponse. Alors, quelle est la réponse de l'homme ici? Vous voyez là, au coin, réaliser, reconnaître qu'on est perdu sans Dieu. Réaliser qu'on est pécheur. Réaliser qu'on a besoin d'aide. Réaliser qu'on ne peut rien par nous-mêmes. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Qu'on est réellement perdu. Qu'on a besoin d'un secours qui vient d'ailleurs. Réaliser cela. Vous savez, Jésus a dit, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous ne pouvez pas entrer dans les royaumes des cieux. L'une des maladies dont souffre l'homme de tous les temps, vous le savez, c'est l'orgueil. L'orgueil de faire quelque chose. Lorsque, à une époque donnée, on faisait l'évangélisation et qu'on expliquait ces différentes choses, quand on demandait aux gens de répondre à Dieu et qu'ils demandaient, mais quelle réponse dois-je donner? Et qu'on leur disait, vous devez reconnaître que vous êtes pécheur et que vous devez poser des pas très clairs vis-à-vis de Dieu. Et quand ils ont fini de dire tout cela, ils posaient la question, c'est tout? Est-ce que c'est tout? Pourquoi? Parce qu'ils voulaient quelque chose de plus adulte, de plus grand, de plus sérieux pour un homme sérieux qu'ils étaient, pour une femme sérieuse qu'ils étaient. Ils voulaient quelque chose de plus imposant, de plus grand qu'on a pu faire. Mes frères et sœurs, on devient petit enfant.
on devient petit enfant pour que enfin nous puissions aller. Et alors, lorsque nous allons reconnaître que nous sommes perdus, que nous allons être honnêtes pour s'approcher de Dieu, que nous allons être sincères pour nous approcher de Dieu, alors Dieu va donner. Vous avez remarqué? Il va donner le pardon. Il va donner la paix. Il va nous ouvrir la porte pour que nous puissions avoir une place dans sa famille et que nous devenions enfants de Dieu. Que nous devenions enfants de Dieu. Alors, c'est quoi en pratique? Entrer dans la famille de Dieu, c'est quand nous, notez, recevons Jésus-Christ dans notre cœur. Quand nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur. En d'autres termes, quand nous invitons Jésus-Christ. Il y a un passage que je vous prie de noter, même en soulignant Jean chapitre 1, verset 12. Que dit ce verset? Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, alors le mot « elle » remplace tout simplement Jésus qui est la parole, donc on peut dire aussi « il », mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon frère, ma sœur, pour que tu deviennes enfant de Dieu, tu as besoin d'un pouvoir. Que quelqu'un dise « pouvoir ». Il faut pouvoir. Le pouvoir d'être enfant de Dieu. Tu ne te fabriques pas en enfant de Dieu en te forçant d'être gentil. Tu te réveilles en réalité très fâché, mais quand tu vois les gens, tu forces à sourire et puis tu va prendre ceci. Tu n'aimerais pas aller prendre, mais oh non, non, il faut qu'il sache que je suis quand même un chrétien. Je prends. Et si, tu ne vas pas te fabriquer en chrétien circonstanciel. Tu as besoin de pouvoir. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu le vois, tu le subis. Et il y a deux témoins pour cela. Le premier témoin qui comprendra que tu es vraiment né de nouveau, c'est celui qu'on appelle le témoin de Christ. Ces gens-là peuvent découvrir là où Dieu est en train d'agir. Mais les juges, eux ne peuvent pas découvrir ceux qui sont avec Satan. C'est-à-dire ceux qui voient les fautes. Ceux qui ont l'œil pour voir les fautes. Quand tu vois et tu fais le bien, ils ne voient pas. Ils attendent. La Bible dit jusqu'à une nouvelle occasion. Vous connaissez ce verset? Jusqu'à une nouvelle occasion. Mais quelle est la nouvelle occasion que le diable attend? Mais l'occasion de t'accuser. L'occasion de te condamner. C'est tout ce qu'il attend. C'est tout ce qui l'intéresse. Jusqu'à une nouvelle occasion. Eh bien, quand tu es en Christ, mon frère, ma sœur, et que tu as reçu Jésus-Christ, alors en ce moment-là, les témoins peuvent le découvrir. Et le premier témoin, c'est toi-même. Tu n'es plus le même. Amen. Tu n'es plus le même. Laissez-moi vous donner un tout petit témoignage qui est très simple. Je venais de recevoir Jésus il y avait quelques jours. Vous savez, vous ne réalisez pas tout. Vous savez seulement que vous étiez sincère pour prier et donner votre vie à Jésus-Christ. Alors les jours ont commencé à passer. À cette époque, je suis à l'internat, à l'école secondaire. Je suis en dernière année, en sixième des humanités. On m'avait établi chef de classe. Ce qui fait que tous les élèves de sixième, mes collègues, avant de faire quelque chose, ils devraient me demander l'autorisation. Et alors, en ce moment-là, le diable voulait provoquer une persécution chrétienne. C'est-à-dire, ceux qui n'avaient pas donné leur vie à Jésus-Christ avaient des plans et des projets de nous faire du mal. Ils préparaient des plans pour nous frapper, pour nous cogner, et ainsi de suite. Ils faisaient des choses. Alors, pour le rendre concret, ils ont commencé des provocations. Alors l'un d'eux est venu devant, sans me demander l'autorisation, et il s'est mis à parler comme s'il était le chef de classe. Il a parlé. Et les gens qui me connaissaient autrefois avaient peur que je puisse les mettre dehors de force. Ils me regardaient,
Il voyait, en fait, il regardait pour dire, mais comment le chef de classe va réagir avec cette intrusion, cette provocation ouverte? Et puis, je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme si je regardais en moi-même. Je voulais vérifier et retrouver le kibbutz que j'étais. Je ne le retrouvais pas. Je ne trouvais pas la réaction. Je ne trouvais pas la colère monter. Je ne trouvais pas ce qui était mon habitude. Je ne retrouvais pas ça. J'ai dit, mais ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi, ça. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh oui. Plus tard, je comprendrai qu'au fait, j'étais devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes étaient passées. Les boxeurs n'étaient plus là. Les karatékas, c'était fini. C'était parti. Et ça ne se passera pas d'une manière parfaite dans tous les domaines, mais d'une manière ou d'une autre, il y aura un signe qui t'aide à découvrir que tu n'es plus la même personne. Amen. Donc, quand on est en Christ, Dieu va produire des effets de la transformation de votre vie. C'est alors que j'arrive à une dernière partie. En pratique, que dois-je faire pour recevoir Jésus-Christ? Que dois-je faire? Que doit faire quelqu'un pour recevoir Jésus-Christ? Inviter Jésus-Christ veut dire trois choses. La première chose, inviter Jésus-Christ veut dire se repentir, c'est-à-dire se détourner de tout péché. Alors, quand on se repent, il y a deux dimensions du péché dont on se repent. La première dimension, elle est globale. C'est-à-dire, tu sais que toute la vie que tu as menée, c'est une vie de pécheur. Il y a des choses dont tu te souviens, il y a des choses dont tu ne te souviens pas, mais de toutes les façons, tu n'es qu'un pécheur. Nous l'avons vu dans Jean, dans Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché. Il n'y a donc pas de juste, pas même un seul, dit la Bible. Donc tous ont péché. Nous sommes là tels que nous sommes là réunis et au-delà de cette réunion, nous sommes tous les hommes et femmes de quelque culture que ce soit, de quelque race que ce soit, de quelque religion que ce soit. Nous sommes tous une bande, une grosse bande de pécheurs disqualifiés. Voilà la vérité. Et que donc, nous devons nous repentir, c'est-à-dire nous regretter toute notre vie. Elle est mauvaise, Seigneur. D'ailleurs, Dieu, semble-t-il, pour ceux qui sont sortis de leur corps et qui sont allés découvrir l'éternité, qui sont allés découvrir les dimensions célestes, savez-vous que lorsque le moment est venu pour ceux qui devraient revenir sur la terre, lorsque le moment est venu où le sauveur qu'ils ont rencontré là-bas leur dit « Ton heure n'est pas encore venue, il faut que tu retournes sur la terre ». Et quand ils ont regardé leur corps, ils ont dit, et tous sans exception, ils ont dit au Seigneur, je ne veux pas retourner dans ce corps. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désormais l'œil de Dieu pour voir jusqu'à quel point ils étaient mauvais, pécheurs, moches. Ils ne voulaient pas revenir. Et donc il y a ça, il faut se repentir, c'est-à-dire que regretter toute notre vie, elle est toute mauvaise. Ça c'est la première dimension de la repentance. Mais la deuxième dimension, c'est la dimension, je pouvais utiliser un mot un peu savant, existentiel. Au fait, je veux tout simplement dire les péchés qui représentent ta personne sur le plan personnel. Il y a des péchés, vous savez que les hommes ne sont pas pécheurs de tous les péchés. Il y a parmi nous des gens, jusqu'à leur mort, qui ne tueront personne. Hein? Vous avez le projet de tuer quelqu'un? Eh bien, moi, je n'en ai pas. Et j'ai même l'impression que jusqu'à ma mort, je ne tuerai personne. Donc, le péché d'être assassin, tu ne tueras point, ça ne s'appliquera pas à moi. Mais il y a des péchés qui te représentent, qui représentent ta personne, dont tu reconnais que, en tout cas, moi, je ne sais pas. Et toujours, je me retrouve à avoir dit une chose qui n'est pas vraiment vraie. Ça s'appelle mensonge. Ou, vraiment, quand je me trouve dans telle situation, la colère que j'ai est telle que je ne sais pas comment gérer ça. Donc, il y a des péchés qui représentent ta personne. Ça, c'est la deuxième dimension de la repentance. Tu vas te repentir en nommant ces choses-là, que la Bible appelle les défauts de cuirasse. Tu nommes ces choses-là, Seigneur.
Je sais que moi, la colère, eh bien, je ne veux plus jamais vivre dans la colère. Transforme-moi. Je veux être une nouvelle personne. Il y a ça comme premier élément, premier pas que Dieu attend. Est-ce que tu seras capable de tenir? Dieu te donnera le pouvoir si tu es honnête, si tu es sincère, à te repentir de tout ton cœur. Et tu peux le faire dans un culte comme celui-ci. Au moment où nous allons prier, tu peux te tourner vers Dieu pour dire, c'est fini. Je ne veux plus vivre comme je vivais. C'est terminé. Je ne veux plus vivre de cette manière-là. Je veux changer. Je veux être une nouvelle. La deuxième chose, quand nous invitons Jésus, numéro un, se repentir de tout péché. Numéro deux, et par la foi, recevoir Jésus dans notre cœur et dans notre vie. Par la foi, inviter Jésus. Demande à Jésus avec la voix la plus basse. C'est pourquoi ce n'est pas important qu'on crie Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Non, on n'a pas besoin d'un cantique. On a juste besoin d'une décision intérieure pour dire Seigneur Jésus, je t'invite. Je ne vivrai plus sans toi. Entre dans mon cœur. Je vais t'avoir avec moi partout où je me trouve. Entre dans mon cœur. Invite Jésus dans ton cœur par la foi. Alors, par la foi veut dire quoi? Vous savez, il y a des choses tellement compliquées ou tellement simples que ça devient compliqué. C'est quoi inviter Jésus par la foi? Par la foi, je suis allé voir chez quelqu'un dans la Bible pour comprendre c'est quoi faire fonctionner la foi. Et ce quelqu'un-là n'est rien d'autre que Abraham. Vous savez pourquoi, n'est-ce pas? Je suis allé voir Abraham. Papa Abraham. Pourquoi je suis allé le voir? Parce qu'il est le père de la foi pour tous les hommes. Et je voulais savoir comment il a appris à avoir la foi. Savez-vous que moi, autrefois, je croyais que non, mais parce qu'il a réussi à vouloir tuer son fils par la foi. Oh, il a réussi à faire ceci par la foi. Oh, il avait déjà quel âge? Mais il a eu un enfant. Moi, je croyais que c'est par là qu'il a commencé. Mais j'étais surpris de découvrir par où il a commencé. Savez-vous où? Eh bien, dans l'un des passages que nous avons dans l'Écriture, vous pouvez le trouver là, Genèse, chapitre 15, le verset 5, que dit l'Écriture? Nous allons le lire, Genèse, chapitre 15, le verset 5 dit, nous pouvons commencer par le verset 4 pour que nous comprenions. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et alors maintenant nous arrivons au verset 5. Et après avoir conduit Abraham dehors, l'Éternel lui dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Quelle école! Quelle leçon! Vous savez qu'est-ce que Dieu venait de faire vis-à-vis d'Abraham? Il lui a appris ce qu'on appelle l'imagination. La foi fonctionne avec l'imagination humaine. Ah bon? Oui. Dieu lui dit, sors. Regarde au ciel. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des étoiles. Compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh, oh, je me suis trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh, je ne peux pas. Elles sont trop nombreuses, ces étoiles. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Cela ne veut pas dire qu'Abraham deviendrait le papa des étoiles. Mais Dieu lui donne une illustration d'imagination. Que ce que tu vois sur le plan physique avec tes yeux, maintenant, tu peux concrétiser cela pour ta foi sur le plan pratique. Amen. En d'autres termes, lorsque maintenant tu veux placer ta foi en Jésus-Christ, tu vas utiliser ton imagination en te disant, sans Jésus, je suis perdu pour toujours.
Mais quand Jésus est mort, la raison pour laquelle lui, le Saint, est mort, c'était pour mes péchés à moi, mon mensonge, mes fornications, mes vols, mes méchancetés, mes colères, mon manque d'amour, mon tribalisme, toutes ces choses, ma méchanceté, toutes sortes de choses, toutes ces choses-là qui sont les miennes. C'est pour ça que Jésus est mort. J'utilise cette imagination pour mettre sur Jésus-Christ tous les péchés que j'ai commis. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, l'illustration qui était donnée le vendredi soir, qu'on appelle le bouc émissaire. On amène le mouton chez le sacrificateur, on le place là. Et le sacrificateur demande à celui qui a amené le mouton, quels sont tes péchés? Oh, j'ai été méchant dans la famille. Il parle de tous ses péchés. Il dit, ok, mets les mains sur le mouton. Il met ses mains sur le mouton et le sacrificateur va prendre le couteau, il égorge le mouton. Et le sang du mouton qui sort, c'est comme si le péché, n'est-ce pas, de cet homme qui a amené le mouton, entre et sont couverts par le sang du bouc. Mais dans l'épître aux Hébreux, l'auteur dit, pourquoi le bouc doit-il payer des péchés des hommes conscients et qui ont commis leurs péchés? Et il répond lui-même, c'était une figure. Ah, encore une imagination. C'était une figure pour montrer qu'un jour, Dieu donnerait son propre fils qui sera comme ce bouc-là qui prend le péché de tous les hommes. Mon frère, ma sœur, tu as des péchés d'office, puisque nous l'avons entendu. Tous ont péché. Tu as des péchés. Mais puisque tu as des péchés, tu as des patates chaudes, tu ne pourras pas entrer au ciel. Où dois-tu les mettre? Mets-les en Jésus-Christ. Mets-les en Jésus-Christ. Mets-les en Jésus-Christ. Il est mort sur la croix. Pas pour ses péchés parce qu'il n'en avait pas, mais pour les tiens. Pour les tiens, tu te présentes vraiment pour du sérieux. Pour les tiens, pour le mien, Jésus est mort sur la croix. Quand tu fais ça, tu as mis ta foi en Jésus-Christ. Il s'appelle désormais ton sauveur. Il s'appelle désormais ton Seigneur. Il est à toi. Tu lui appartiens. Amen. Alors maintenant, nous revenons sur le verset central. Il devient plus clair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, c'est-à-dire place sa foi en lui, ne périsse point de ses péchés, mais qu'il ait la vie éternelle. Et les textes bibliques vont multiplier des déclarations autour de ce fait que Jésus, nous mettons nos péchés dans Jésus. Il est le coffre-fort des péchés, mais des péchés pardonnés, des péchés nettoyés. Parce que quand tes péchés entrent dans Jésus, Dieu ne les voit plus. Dieu ne les voit plus. Mais pourquoi Dieu ne les voit plus? Parce que Jésus est sans péché personnel. Il n'a décidé aucun jour pour qu'il commette un seul de péché. Comme il est parfait, saint, Dieu, tout ce que tu mets en lui, parte. Tu te retrouves avec le pardon de Dieu. Tu te retrouves membre de la famille de Dieu. Maintenant que tu y es en Jésus-Christ et que tu as Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tout le reste maintenant tu peux pratiquer. Tu peux prier, tu peux aller à l'église, tu peux chanter dans la chorale, tu peux devenir prédicateur, tu peux faire le bien et désormais tout ce que tu feras de bien sera comptabilisé et tu seras récompensé. Et plus que ça, Dieu te donne son esprit qui va te guider. Il va te parler. Il suffit que tu lui donnes le temps de te parler. Quand il n'a pas encore parlé, attends. Amen. Attends. Et à un moment donné, il fait monter des idées, des convictions, des pensées. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Jésus dira, je ne suis pas seul. Mon Père est avec moi. Amen. Et à cause de cela, les peurs de la terre vont disparaître. Tu n'auras plus peur. S'il y a un autre Covid qui va venir, tu ne vas pas trembler. Tu ne vas pas dire, ah, je connais mon corps, c'est un corps très faible. Si je suis contaminé, ah là là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu n'auras plus ces peurs-là. Pourquoi? Parce que tu sais que tu appartiens à quelqu'un qui est tout puissant.
et qui contrôle toutes choses, et qui est le chef de toute la vie. Et vous savez que dans Jean chapitre 1, verset 12, que nous avons lu cette phrase que j'ai citée en passant, que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez, quand on nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ce n'est pas seulement une capacité, mais c'est la toute puissance de Dieu. Désormais, nous pouvons nous prétendre agir dans la puissance de Dieu. Nous pouvons prier dans la puissance de Dieu. Nous pouvons nous attendre à ce que Dieu intervienne dans la puissance de Dieu parce que Dieu nous appartient et nous appartenons à Dieu. Et cela pour toujours. Ce n'est pas une affaire d'un mois ou de deux mois pendant où nous sommes gentils. Non, c'est éternel. Ne périsse point, dit Jean 3,16. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Le point là qui est utilisé, c'est cinq négations concentrées. C'est-à-dire cinq fois, jamais, il ne périra. Et celui qui croit en moi, ajoute Jésus, il est passé de la mort à la vie. Et là encore, le verbe qui est utilisé, passé de la mort à la vie, c'est un aoriste, qui veut dire une chose qui se fait une seule fois à tout jamais. Donc quand tu passes des ténèbres à la lumière, c'est à tout jamais. Tu ne retourneras plus jamais, même si tu veux retourner. Alors il y a des gens qui diront, mais moi j'ai vu des gens croire vraiment, et puis qui sont retournés dans les ténèbres. La raison, le problème c'est que, est-ce qu'ils avaient vraiment reçu Jésus-Christ? Est-ce qu'ils étaient vraiment nés de nouveau? Vous savez, il y a des gens qui miment naître de nouveau pendant quelques années. Et puis à un moment donné, ils y retournent là où ils appartiennent. Un frère nous a partagé un témoignage qui s'est passé à une époque de notre communauté. Une jeune femme est venue, et puis elle était très ailée. Elle a commencé à chanter de la chorale. Elle était partout. Les gens qui sont en train de nettoyer, elle était là. Et puis, à un moment donné, elle a disparu. On ne la voyait plus. Alors, notre frère qui donne le témoignage était sur une rue en train de marcher. Qui il voit cette sœur-là, cette dame-là. Elle dit, oh, mais c'est toi, mais on ne te voit plus à l'église. Elle a dit, elle a souri. Elle a souri en disant, ah, vous continuez à aller. Non, moi j'ai trouvé l'amour. Oh, quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire par j'ai trouvé l'amour? Au fait, elle était venue à l'église comme il y avait beaucoup de garçons concentrés là-bas, hein, surtout des étudiants, tout ça, qui se débrouillaient, qui avaient de l'avenir. Alors c'était plus facile d'en choisir un. Sauf que ça tirait en longueur parce que ces gens-là ne s'engagent pas comme ça, ils prient. Il prie, parfois il prie longtemps. Alors, à la rue, elle a trouvé quelqu'un. Elle dit, oh voilà, j'ai trouvé ce que j'ai cherché. Et elle est partie. Donc, il y a des gens pour qui on dit, ah, il a abandonné la foi. En réalité, il n'a pas abandonné la foi. Il est retourné là où il appartenait. L'expérience de recevoir Jésus, se repentir de tout son cœur et placer sa foi en Jésus-Christ. Vous savez, se repentir de tout ton cœur, si tu en es conscient, c'est du sérieux. Parce que le diable est capable de te montrer des choses. Moi, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je me souviens très très bien pour toute ma vie que le diable m'avait montré des choses. En ce moment-là, où le frère l'a dit, le pasteur l'a dit, il est encore un frère, quand il m'a expliqué ce que je dois faire pour donner ma vie à Jésus-Christ, et je sentais vraiment que j'étais dans le besoin de donner ma vie à Jésus-Christ parce que j'étais pécheur. Et à ce moment-là, dans ma pensée intérieure, une chose est venue. Vous savez, c'était quoi? Une chose très simple. On m'a montré le papier, un papier. Au fait, j'ai fabriqué des faux papiers quand j'allais en... Comme j'étais à l'internat au Bas-Congo, au Bas-Zaïre, maintenant je vais en vacances à Kinshasa. Personne de Kinshasa pour aller au Bas-Congo, pour aller vérifier si ce qui était dans le papier était vrai. Donc, ce qui fait que j'avais un ami, un secrétaire, qui avait une bonne machine et qui tapait les documents de l'école, mais en modifiant les chiffres. Donc, là, on a demandé 250 zaïres. Moi, j'ai monté à 500 zaïres. Comme ça, quand on va me donner tout cet argent-là, eh bien, j'enlève le 250. Ouais, c'est le commerce. J'enlève le 250 de l'école et le 250 qui reste, j'achète des chemises club. Des jeans,
Et tout ça, ainsi de suite. Parce que tu vois, quand tu descends là-bas en internat au village, il faut bien montrer que tu viens de Osakinoa, donc tu viens de Guine. Non, le diable connaît ce qui est à lui. Et au moment où je voulais donner ma vie à Jésus-Christ, il me montre les papiers. Il dit, ça, tu n'auras plus. Si tu fais ce que tu dis là, tu n'auras plus ça. Sauf si tu ne comprends pas les conséquences. Et la lutte était là. J'ai commencé à me dire, alors pourquoi ne pas attendre un peu? Et c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu m'a parlé. Ah, l'Esprit de Dieu existe, mon frère et soeur. Tu as soif. On te donne un verre d'eau fraîche. Pourquoi refuser? Voilà la parole par laquelle le Saint-Esprit m'a convaincu. Tu as soif. On te donne un verre. Pourquoi refuser? Directement, j'ai dit au pasteur, je crois et je donne ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Pourquoi je suis resté chrétien? Est-ce que parce que je suis devenu parfait? Non. Je ne peux pas me tenir devant le monde comme Jésus et dire qui de vous peut me convaincre du péché. Bien sûr qu'il y a des gens qui diront, ah non, là tu as raté, là tu as raté. Mais pourquoi je suis resté? Je suis resté parce que il y a une nouvelle vie qui est entrée. Amen. Il y a une nouvelle vie qui est entrée. Jésus est devenu mon sauveur. Il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et chaque fois que je partageais ce genre de paroles dans l'évangélisation, j'étais toujours étonné pourquoi j'avais la ferme conviction que les gens vont donner leur vie à Jésus-Christ. J'ai la réponse. C'est parce que tu peux donner ce que tu as. Amen. Si tu es sauvé, tu peux maintenant donner. Ne laisse pas aller en enfer des amis. Certains de ces amis ont été gentils et leurs actes étaient déterminants dans ta vie. Tu ne peux pas donner, permettre à ton conjoint, tu ne peux pas permettre à tes enfants, tu ne peux pas permettre aux membres de ta famille, à tes collègues de service, d'aller en enfer. Mon frère, ma sœur, si tu ne crois pas que l'enfer existe, c'est que tu n'as jamais cru même au salut. Tu ne peux pas le laisser aller là-bas, dans le lac de feu. Éternel, si tu les aimes. Alors maintenant, je veux être très précis. Je ne vous demande pas de devenir des casse-pieds. Que quand tu vas à l'entreprise, tout le monde ça bouge dans toutes les directions. Tu es en train de crier, Alléluia, gloire à Dieu, donnez vos vies à Jésus-Christ. Et même la gorge devient je ne sais comment. Tu déploies la gorge. Non, c'est pas ça. Il faut agir par l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui donne les devoirs. Comment donne-t-il les devoirs? Toi, tu es disponible. Tu as demandé à Dieu de te rendre disponible et de préparer le terrain. Vous serez surpris. Quand Dieu va commencer à préparer le terrain, vous verrez quelqu'un, et vous vous étonnez même, qui va venir vous dire, est-ce que tu peux prier pour moi? Tu peux même lui poser la question, mais qui t'a dit que j'ai prié? Ah, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Parfois, certains vont dire, tout le monde le sait, parce que chaque fois que nous allons là-bas au réfectoire pour manger, toi, tu passes pas directement à ton sandwich. On te voit, mais c'est la tête. Et on sait que tu pries. Alors, est-ce que tu peux prier pour moi? Alors là, tu prendras la liberté de lui dire, je vais prier pour toi, mais je ferai plus. Si tu me donnes 10 minutes, je vais te dire quelque chose qui te permettra désormais à prier pour toi-même. Sans nécessairement venir me demander, parce qu'un jour, peut-être que je ne serai plus là. Alors là, il sera ouvert. Et tu lui partages courtement l'évangile, les 4 points. Amen. Dieu a un plan pour ta vie. Mais il y a une séparation entre toi et ton Dieu. Mais il y a un remède de Dieu. Mais il faut que tu répondes par la repentance et par la foi. Et la dernière chose, lorsque tu as donné totalement ta vie à Jésus-Christ, c'est que tu vas les suivre. La troisième chose, tu vas les suivre dans l'obéissance. Tu vas suivre Jésus. Ne les laisse pas s'en aller. Amen. Tu vas les suivre. Tu les suivras à l'église. Il a dit, je bâtirai mon église. Tu les suivras dans la prière. Tu les suivras
en produisant le fruit digne de l'évangile. Tu le suivras. Tu vas le suivre toute ta vie. Toute ta vie. Je suis le père spirituel de l'un de mes professeurs. Moi, le professeur Mwanda. J'étais le professeur de chimie et de physique à l'école secondaire, en quatrième et en cinquième des humanités. Et puis, la vie a continué. Je me suis retrouvé à Kinshasa. Je me suis retrouvé évangéliste. Et j'ai fait un projet avec des étudiants pour aller évangéliser en Bandzangungu. Et j'arrive en Bandzangungu. Dans les rues où j'allais évangéliser, qui je vois? Le professeur Mwanda. Qui marchait là dans la rue? C'est le professeur. Il s'est retourné bien fier. Parce qu'on l'appelle professeur. Vous me connaissez? Il a dit, ah non, je ne reconnais pas. Parce que, bon, vous savez, les élèves grandissent. Mais le prof reste stag. Bon, donc, non, j'ai changé, vous voyez la barbe. Mais en réalité, c'est moi qui boute. Oui, ce nom me dit quelque chose. Où est-ce que j'étais? À Madouda? Oui, j'ai dit, exactement. C'était à Madouda. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, et vous, qu'est-ce que vous faites? Non, non, je travaille au ministère provincial pour les plans, des choses comme ça, des choses pratiques. C'est là-bas que je suis. Ah bon? Non, moi, je suis ici pour évangéliser. Évangéliser? Oui. C'est-à-dire? Alors, j'ai commencé à lui parler. Je lui ai parlé les quatre vérités là que nous venons de partager. J'ai partagé. Quand j'ai terminé, il a dit, tiens, mais quand tu étais en classe, tu ne parlais pas comme ça si clairement. C'est choquant ce que tu dis là. Bon, d'accord, merci, j'ai entendu. Au revoir. Il est parti. Et puis le soir, on se retrouve à la mission à Ville Haute. On appelle ça Ville Haute, en fait, Ville Haute. Même Ville Haute, c'est les gens de Lac. Alors, je me suis retrouvé en Ville Haute où se trouvait la mission. Et j'étais en train de diriger pour préparer la campagne d'évangélisation où Révérend Mavungu devrait venir prêcher. Donc, j'ai préparé le terrain, j'ai préparé les chorales. Et puis, je suis allé à la chorale des hommes. Qui je trouve? Le professeur Mwanda. Je lui dis, où? Mais tu ne m'as pas dit que tu chantes dans la chorale. Et il me dit, mais tu n'as pas parlé à l'oreille d'un sourd. C'est depuis longtemps qu'on m'invite à venir à la chorale. Mais quand tu m'as parlé là à la rue, je me suis dit, ah non, c'est le temps de répondre à cette invitation. C'est pourquoi je viens chanter dans la chorale. Je lui ai dit, mon frère, on ne commence pas à la chorale. Venez avec moi. Et nous sommes sortis, nous sommes allés dans le bureau du pasteur. Je lui ai réexpliqué ce que je lui avais dit à la rue. Et je lui ai demandé, est-ce que tu veux répondre à Dieu par la repentance, en plaçant tout ton cœur de foi sur Jésus qui est mort sur la croix pour tes péchés, et t'engager à le suivre. Dans le cadre de le suivre, tu pourras chanter dans la chorale. Ah! Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je peux te donner une prière que tu vas répéter, mais sois honnête et toi sois sincère. Et c'est comme ça que je l'ai conduit à Jésus-Christ. Tout à l'heure, je disais, professeur Mwanda, je devrais plutôt dire pasteur Mwanda, puisqu'il est devenu pasteur depuis. Amen. Notre Dieu est au travail. Alors, j'ai ici une prière très simple. Je vais la lire lentement pour permettre à l'homme, la femme que tu es et qui est peut-être dans le besoin, tu puisses recevoir Jésus. Pour placer ta foi, pour nourrir ton imagination, afin que tu puisses mettre tous tes péchés sur Jésus-Christ. Parce que tu as besoin d'assurance. Tu as besoin d'être certain que si aujourd'hui le missile tombait ici, tu vas monter plus qu'un oiseau, jusque dans la gloire, chez ton Père, à qui tu appartiendras pour toujours. Tel est le plan de Dieu depuis le commencement que tu es né. C'était ça son plan. Et je voulais simplement ajouter en bonus, quand tu es à Christ, tu deviens immangeable par les sorciers. Impossible. Ils ne peuvent pas te voir. Car le Saint-Esprit peut même décider qu'il ne te voit pas. Il commence à fouiller. Mais où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? On ne te voit pas. Pourquoi? Parce que tu appartiens à Jésus-Christ. En deux mots, trois mots, pour passer à la prière, c'est très important. Ça se passe en Chili. Un monsieur va voir le féticheur parce qu'il veut que le féticheur fasse quelque chose pour que ses membres de famille qui sont aux États-Unis puissent lui envoyer le plus d'argent possible.
Alors le féticheur lui avait promis, c'est faisable, mais tu dois m'amener deux choses. La première, l'argent qu'ils ont touché. Ils ne doivent pas envoyer par agence. Il faut attendre qu'ils trouvent quelqu'un qui vient au Congo, qu'ils mettent l'argent dans l'enveloppe. Et que cet argent-là qu'ils ont touché vienne jusque dans ta main. Cet argent-là, apporte-le-moi. Et la deuxième chose, comment il a appelé ça, tu vas apporter leur photo actuelle. Et il a trouvé les deux choses, il est parti chez les féticheurs, il a donné. Et puis le féticheur a pris la photo, il a lancé dans son bassin avec de l'eau bizarre. La photo est entrée là-dedans. Et devient un papier sans rien dessus. Il sort. Il y a des gens. Il fait entrer dans son laboratoire. Ça s'efface. Et il sort. Il lui dit, les gens qui sont sur cette photo sont morts. Il m'a apporté une photo avec des gens qui sont déjà morts. Il a dit, non, c'est eux qui m'ont envoyé l'argent. C'est ma grande sœur et ses enfants. Ils sont là. Si tu veux, je peux les appeler. Ils sont morts. Va-t'en. Il l'a chassé. Ils sont morts. Mais ce n'est pas qu'ils étaient morts. Ils étaient en Christ. Amen. Quand tu entres en Christ, tu es en sécurité. Vous voyez jusqu'à quel point parfois notre ignorance peut nous détruire inutilement. Nous n'avons pas besoin de jeûner pendant 40 jours pour que nous soyons protégés. Quand tu es en Christ, en devenant une nouvelle créature, tu es une nouvelle créature même par rapport aux sorciers. Alléluia. Nous allons prier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais répéter la prière, phrase après phrase, phrase après phrase. Mais sois honnête, sois sincère. Répète cette phrase avec la meilleure honnêteté de ton cœur. Mon frère, ma sœur, je te rappelle que la Bible dit, si vous ne devenez pas des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, oublie où tu en es. Oublie tes expériences, oublie tes capacités, oublie tes dimensions, de quelles que soient les dimensions. Sois comme un petit enfant. Humilie-toi devant le Sauveur pour qu'il ait pitié de toi. Je me donne la prière, je la répète simplement. J'irai phrase après phrase. Tu la répètes dans ton cœur, pas besoin de dire à haute voix. C'est simplement la répéter du fond de ton cœur avec la meilleure sincérité de ton cœur. Seigneur Jésus, je sais que je ne suis qu'un pécheur. Tu le lui répètes. Seigneur Jésus, je sais que je ne suis qu'un pécheur. Je crois désormais que tu es mort pour mes péchés. Je crois désormais, que tu es mort pour mes péchés. Maintenant même, je me détourne résolument de tous mes péchés. Maintenant même, je me détourne résolument de tous mes péchés. Et je t'ouvre la porte de mon cœur. Comme on ouvre la porte d'une maison, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de toute ma vie. Et je te reçois. Et je te reçois de tout mon cœur, honnêtement. Et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Merci Jésus de me sauver en ce moment même. Merci Jésus de me sauver en ce moment même. Je te reçois dans mon cœur et dans ma vie. Et je te remercie de me sauver. Père Tout-Puissant, je te remercie
pour ce travail que ton esprit est en train de faire dans le cœur. Ça commence par là. Ça se poursuit jusque dans l'éternité. Et je te loue de ce que tu es le Sauveur. Et que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je te glorifie de tout mon cœur, de ce que maintenant même est dans la suite. Tu viens de déclencher des hommes et des femmes nouveaux, équipés pour rendre témoignage, quel que soit le lieu, quel que soit le milieu, afin que d'autres après eux, d'autres après nous, viennent aussi à te recevoir comme leur Sauveur et leur Seigneur. Nous te laissons toute la gloire et nous croyons de tout notre cœur que ton esprit va poursuivre ce travail pour le concrétiser encore dans les vies de tous les frères et sœurs. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen.